le liminal, c'est le seuil de la perception. On connaît bien le mot subliminal, qui veut dire sous le seuil de perception. Et le liminal, du coup, c'est une frontière entre le visible et l'invisible. Cette installation avait pour idée, pour objectif, d'essayer de transposer les visions entoptiques, donc c'est ces phénomènes où on voit nos propres yeux. Donc ce sont ces moments où l'œil apparaît pour lui-même, donc le matin, quand il y a une tache, ces fausses faines qui apparaissent. Et de transposer ces phénomènes entoptiques dans les photographies, dans le processus photographique. Donc l'idée des liminaux était de fabriquer des instruments d'optique que vous voyez derrière moi, qui sont des sortes d'objets bricolés qui vont faire apparaître les lentilles, les optiques, dans les images elles-mêmes. Aussi bien les instruments que les écrans qui ont permis de montrer les images avec leur cadre en acier ont été fabriqués au Fresnoy. Donc en ce qui concerne les instruments, il y avait un très gros travail du coup de recherche d'optique, de démontage de machines dans lesquelles j'ai récupéré différents éléments, mais aussi de fabrication d'optique en résine par exemple. Et après un travail sur la structure, les éléments structurels de ces instruments, tous ces éléments en plastique transparent qui ont été découpés à la laser et qui permettent, comme ça, un assemblage, de fabriquer une sorte de bande optique qui permet d'assembler ces différents instruments pour fabriquer ces visions. Ensuite, pour les cadres qui ont été du coup soudés ici au Fresnoy, que j'ai soudé au Fresnoy, il y avait tout un travail sur le pliage du métal, l'assemblage par la soudure, ponçage, etc., vernis, mais surtout un travail de démontage d'écrans, du coup, puisqu'il y a encore cette question de démystifier l'instrument et donc d'entrer dans sa structure et donc de le démonter, de se l'approprier pour fabriquer ces cadres lumineux qui permettent de présenter les différentes prises de vue qui ont été effectuées avec les instruments auparavant. Ces images sont en fait inscrites dans un mélange entre images numériques et images argentiques. Il y a des tirages argentiques en fait qui sont coincés dans un écran finalement. Parfois, il y a aussi des objets réels, matériels, et qui créent cette confusion entre l'image matérielle argentique, les objets qui sont eux-mêmes présents parfois dans les images, et leur image numérique. Donc en fait, ce travail, c'est une sorte de travail aussi sur les images sauvages. Et on a abordé cette question avec le BTS audiovisuel du lycée Jean Rostand à Roubaix, lors d'un atelier en fait, où on a essayé de bricoler nos perceptions quelque part et du coup de travailler sur cette question du liminal en bidouillant finalement des instruments d'optique ensemble et en essayant de s'approprier cette pensée sauvage. Après, on peut penser aussi à Molinaghi, que vous connaissez, qui cherchait cette nouvelle vision à travers ses images, donc les modulateurs, etc., qui fabriquait un peu des machines, comme j'avais fait avec les scoposcopes. Ou à Miroslav Tichy, qui fabriquait ses propres objectifs d'appareils photo bricolés à partir de rien du tout, parce qu'il voulait revenir à...
il voulait essayer de maîtriser de A à Z le protocole de prise de vue, c'est-à-dire en fabriquant lui-même ses instruments. Il fabriquait aussi d'ailleurs son agrandisseur et fabriquait ses cadres de prise de vue. Donc c'était toujours très bricolé et très assumé comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette question de l'objectif, du coup, m'intéresse aussi, puisque l'objectif, c'est un mot qui veut dire à la fois l'objectif d'appareil photo, mais c'est aussi la vision objective. Et ici, on est sur un travail de questionnement de cette objectivité de l'appareil photo et de créer peut-être un objectif subjectif, entre guillemets. Bah, pose-les, je vais faire. Les étudiants sont vraiment accaparés cette idée d'image sauvage et ont proposé différentes vidéos, photos, etc., qui touchaient parfois au démontage de l'objectif, au remplacement de l'objectif par d'autres instruments d'optique, etc., etc. Et ont parfois des images qui sont montées par des systèmes de miroirs, etc., et qui sont des sortes de collages en direct d'images, ou parfois des flous, des abstractions, etc., qui permettent de construire cet univers, cette faune, finalement, d'images sauvages. Finalement, ces images sauvages avaient aussi pour objectif, comme dans mon travail, de montrer quelque part la vision elle-même, de faire apparaître la vision comme un œil qui se regarde et permettre comme ça de montrer le voyant, donc encore une fois le voyant vu.